ne désespère jamais même dans les afflictions les plus sombres, car des nuages noirs sortent des eaux claires et fécondes. Chaumière où l'on rit vaut mieux que palais où l'on pleure. À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. Les grandes âmes ont de la volonté, les faibles âmes n'ont que souhait. C'est le travail et la persévérance qui te conduiront à devenir ce que tu désires être. Un jour, tu peux être grand et au sommet, mais si tu ne travailles pas pour t'y maintenir, les plus petits pourraient te dévorer. Le temps est comme l'eau dans une rivière. Rien ne reste pareil, c'est toujours différent. Les petites pierres de chaque jour constitueront une montagne à l'avenir. Fais attention aux petites erreurs, car elles peuvent avoir de grandes conséquences. Prends des décisions tempérées et ne te laisse pas emporter par tes émotions. Les expériences négatives t'aideront à ne pas commettre les mêmes erreurs à l'avenir. La peur frappa à la porte, la confiance ouvrit et dehors il n'y avait personne. Tu ne peux pas éviter que les oiseaux de la tristesse volent au-dessus de ta tête, mais tu peux empêcher qu'ils fassent un nid dans tes cheveux. Pour atteindre de grands objectifs, il est parfois nécessaire d'emprunter les chemins les plus difficiles. Va tranquillement et sans bruit et tu arriveras là où tu veux aller. Tout chemin est bon si tu ne sais pas quelle est ta destination. La seule question stupide est celle qu'on n'a pas osé poser. Le sage peut s'asseoir sur une fourmilière, mais seul l'insensé s'y assoit. N'aie pas peur des changements lents, aie seulement peur de rester immobile. Le temps est comme l'eau qui coule, sans s'arrêter jour et nuit. Le repentir est le printemps des vertus. Un bon professeur t'ouvre la porte, mais c'est à toi d'entrer dans la pièce. Celui qui pointe tes défauts n'est pas forcément ton ennemi. Celui qui te félicite toujours n'est pas forcément ton ami. L'ignorance peut être appelée la nuit de l'esprit, et cette nuit n'a ni lune ni étoile. Le travail de la pensée est comme le forage d'un puits. L'eau est d'abord trouble, puis elle devient claire. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Tu ne peux pas guider le vent, mais tu peux changer la direction de tes voiles. Si tu me donnes du poisson, je mangerai aujourd'hui. Si tu m'apprends à pêcher, je pourrai manger demain. Quand tu penses connaître toutes les réponses, la vie te change toutes les questions. Celui qui réfléchit trop longuement avant de faire un pas passera toute sa vie sur un seul pied. Il y a un juge appelé le temps. Il prononce toujours la sentence. Un mot venu du cœur tient chaud durant 3 hivers. La personne qui attend que le canard rôti vole jusqu'à sa bouche doit attendre très très longtemps. Soucie-toi de ce que les autres pensent et tu seras toujours leur prisonnier. Celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît lui-même est éclairé. L'échec n'est pas de tomber, mais de refuser de se relever. Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. La vie est comme un écho.
ce que tu envoies te revient généralement. Celui qui pose des questions est un idiot pendant 5 minutes, mais celui qui ne pose pas de questions sera un idiot pour toujours. Accorde autant d'attention à ton intérieur qu'à ton image. Ta volonté doit être plus puissante que tes désirs. La tristesse viendra toujours en toi à un moment donné. C'est quelque chose que tu ne peux pas éviter. Par contre, tu peux refuser qu'elle s'installe dans ta vie. Assume tes responsabilités et résous le problème lorsque tu es celui qui l'a créé. Avoir peur de souffrir est déjà une souffrance en soi. Si tu n'as pas peur, il n'y a pas lieu de t'inquiéter. Le pire ennemi est celui qui ne vient pas de front. N'attends pas d'avoir un problème. Évite de devoir chercher une solution. N'est pas le plus averti celui qui dit le plus, mais celui qui se tait le plus. Un fils qui fait verser des larmes à sa mère peut seul les lui essuyer. C'est pas grave d'aller lentement, mais ne t'arrête pas. Il est nécessaire d'avoir une mesure des choses, car les excès ne sont pas bons. L'expérience est la meilleure instruction pour l'homme. Entre époux, pas d'inimitié qui passe la nuit. Le premier soin d'un mari doit être de rendre son épouse vertueuse. Le chemin le plus long commence par un premier pas. Pense à ce que tu es en ce moment, l'avenir est dans l'air. Ne demande pas l'amour, gagne-le. On n'a jamais tant besoin de son esprit que lorsqu'on a affaire à un sot. Il n'y a rien de mauvais ou de bon, tout dépend de l'usage que tu en fais. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. L'amour est aux yeux et ne voit rien. Le temps ne revient pas, alors profite au maximum des possibilités et de l'énergie dont tu disposes aujourd'hui, car elles te manqueront à l'avenir. N'aie pas peur de faire des erreurs, car elles t'apprendront à ne pas en faire. Si tu veux arriver à bon port, sors de ta zone de confort et ne te mets pas à l'aise. Si tous les hommes connaissaient le plaisir de donner, il n'y aurait pas de riches. Apprendre à dépendre de toi-même est un pari à long terme. Dépendre des autres ne te donne qu'une sécurité actuelle. Le temps change et la personne aussi. Par conséquent, il n'y a pas de moment identique. Si tu ne reçois pas d'amour, tu seras un poète. Si tu es pauvre, tu seras un voleur. La meilleure façon de se venger d'une mauvaise personne est de ne pas lui ressembler. Au milieu d'une grande joie, ne fais pas de promesses. Au milieu d'une grande colère, ne réponds pas aux paroles. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Un jour, tu y arriveras. Il est plus facile de changer le cours d'un fleuve que le caractère d'un homme. La tentation de céder est toujours plus forte juste avant la victoire. Une langue court beaucoup plus vite que deux pieds. Préserve toujours la paix et la tranquillité. Le moment venu, les fleurs s'épanouiront. N'aie pas peur de ne pas savoir quelque chose. Aie peur de ne pas en tirer de leçons. Si tu ne peux pas gérer les petites choses, alors tous tes projets les plus grands ne réussiront pas. Avec de l'affection, les amoureux pourraient se sentir suffisants même s'ils ne boivent que de l'eau. Mais sans affection, les amoureux pourraient avoir faim même s'ils mangent.
Il n'y a rien de plus beau que de voir un père devenir l'ami de ses enfants, lorsqu'ils en viennent à perdre sa crainte et non son respect. Hier, c'est de l'argent dépensé. Demain, c'est de l'argent à venir. Utilise donc aujourd'hui, c'est de l'argent liquide. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, et l'ignorant ne sait pas ce qu'il dit. Si tu ne veux pas que ça se sache, ne le fais pas. Il y aura toujours des gens qui voudront détruire ton bonheur parce qu'ils n'ont pas atteint le leur. Si une femme veut quelque chose, elle franchira une montagne. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Lorsque le vent du changement souffle, certains construisent des murs et d'autres des moulins à vent. Celui qui déplace une montagne commence par prendre des petites pierres. Ne laisse pas hier utiliser trop aujourd'hui. Un oiseau ne chante pas parce qu'il a une réponse, un oiseau chante parce qu'il a une chanson. Seuls ceux qui ont parcouru le chemin savent où se trouvent les trous. Le vin n'est jamais si bon que quand on le boit avec un ami. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit la source de ta sagesse. Merci.